J'ai 90 000 dollars à la banque, 50 balais, 125 kilos sur la balance. Jamais réveillé au son d'une alarme, mais suis plus proche de Dieu que ne l'est le moineau. Ma machine à écrire n'a plus rien à dire. C'est ainsi que vont les choses, absolument. Seulement, le monde touche à sa fin et je suis incapable d'écrire là-dessus. Une fonte et des boules, c'est tout ce qu'il faut, pas vrai? Un jour, j'entrerai dans une cage avec un ours, me poserai par terre et m'allumerai une cigarette. Je le regarderai dans les yeux. Il sera forcé de s'asseoir et de fondre en larmes. 40 milliards de personnes devant la télé sans le son, pendant que le ciel nous dégringole sur la tête. Et yeah, yeah. C'est juste la conformation de la lumière, de l'idée, du progrès qui avance. Groupé comme un gang, oh, c'est si facile. Quand un poème ne fonctionne pas, il ne fonctionne pas. Oublie-le, l'essence, c'est le rythme. Quand un poème ne fonctionne pas, ce n'est pas la fin du monde. C'est juste parce que tu ne l'as pas eu cette fois. Prends ce papier, déchire-le, fous-le à la poubelle et attends. Tout n'est pas fait que de papier. Et à ce propos, l'autre jour, on était dans la chambre de Dirty Jane. On picolait du vin de Porto et Bukowski arrache la culotte de Dirty Jane et la fourre dans sa gueule devant tout le monde. Je veux dire, il l'a vraiment bouffé. Hein? Tu peux le faire, je peux le faire aussi. Il y a toujours la possibilité de continuer. Avec l'aide de l'alcool, de la drogue ou du sexe. Avec l'aide du fric, du golf ou de la musique symphonique. En devenant Baptiste ou joueur de guitare. En lisant des comics, en se masturbant. En débattant au sujet de John Cage. Ou en allant au zoo, en fumant des cigares. En étant noir et baisant avec une fille blanche. En étant blanc et baisant avec une fille noire. En assistant à des lectures de poésie. Ou en donnant des lectures de poésie. En cassant la gueule à quelqu'un, en achetant une nouvelle voiture, un nouveau tapis, en se tenant dans le coin tout transpirant et en ayant l'air sage, il y a toujours la possibilité de continuer. Le processus d'apprentissage est sournois. Tous ceux pour qui c'est sans espoir et qui ne le sauront jamais. Comment on va payer le loyer en retard? Très loin, dans la nuit de l'oiseau bleu, se trouve cette chose puissante qui pourrait nous sauver. Assise sous un pont, elle attend, triturant des allumettes avec ses ongles avant de les allumer. Cette chose sait, mais elle ne parlera pas. Elle pourrait nous sauver, mais elle ne le fera pas. Elle ne veut pas de nous. Un jour, elle envahira le soleil. Mais pour l'instant, on reste assis chez soi et on attend. On s'arrête au panneau de signalisation et on attend. On tire sa crampe et on attend. On pratique l'abstinence et on attend, attend, attend. Ah,
quand on rit, elle attend avec nous. Elle rit quand on pleure, elle pleure quand on rit, elle attend avec nous. Elle rit quand on pleure, elle pleure quand on rit, elle attend. Tu ne seras jamais un écrivain. Ce que tu écris est trop mauvais. Personne n'a envie de lire tes saloperies.